Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui peut se lever à n'importe quelle heure, en fait plutôt sauter de son lit à n'importe quelle heure, à 4 heures du matin, à 2 heures du matin, courir le marathon immédiatement, sans prendre un café, sans réfléchir. Ou plutôt vous êtes quelqu'un qui aime prendre son temps doucement, tranquillement, prudemment, un petit café, on traîne un petit peu, etc. Bon ben c'est pas idéal la marche rapide, bien sûr. Il vaut mieux commencer avec l'étirement et petit à petit tous les exercices et à la fin la marche rapide. Alors si vous voulez bien, on commence comme ça aujourd'hui pour faire plaisir aux personnes qui démarrent plus lentement. Mais quelque part c'est compréhensible, c'est normal, parce que déjà à notre naissance, on a reçu différents véhicules en héritage. Bon, mais je fais illusion à de notre corps. Par exemple, certains qui ont reçu un Ferrari, d'autres un 2 chevaux, d'autres des vélos, d'autres encore un trottinette ou carrément à pied. Mais c'est normal que ça ne démarre pas à la même vitesse, ça ne roule pas du tout à la même vitesse. Mais ce n'est pas une excuse non plus, parce que certains qui ont reçu un Ferrari, et malgré ça, ils roulent 60 à l'heure toute leur vie. D'autres, ils ont reçu un 2 chevaux, ils roulent à 180. Et d'autres, ils n'ont reçu que de vélos et trottinettes, et ils dépassent même la vitesse de la lumière. Ce sont les génies. Donc, moralité, il faut dépasser. Essayez de dépasser toujours des limites, parce que c'est une question de mental. On marche plus avec le mental qu'avec nos jambes, hein, avec nos pieds, parce qu'il y a certaines personnes qui sont diminuées physiquement complètement, et pourtant ils sont heureux et ils avancent dans la vie, et ils entraînent même d'autres personnes avec eux. Voilà. Alors essayons de faire notre mieux, et plus avec le mental qu'avec le physique, on ira beaucoup plus loin. Donc on va commencer aujourd'hui à l'envers. Alors on va commencer d'abord dire merci à l'univers pour cette merveilleuse journée qui commence, et on s'étire. Première chose, on s'étire. Oh, que ça fait du bien. On s'étire. Voilà, après on s'étire aussi, comme ça. On peut s'étirer, voilà, de tous les côtés, on s'étire. Voilà, après on va descendre. Ah, premier coup, ça ne marche pas. 2, 3 fois, voilà. Voilà, ça y est. Et maintenant, étirement, étirement. Ah, tiens. Et voilà, ça fait du bien. Alors, pour éviter des crampes, parce que on a, de temps en temps, je dirais, on a des crampes, parce que maintenant, il y a le magnésium qu'on prend régulièrement tous les jours, donc normalement, ça évite les crampes. Mais quand même, lorsqu'on fait un geste brusque et que le muscle n'était pas souvent sollicité, surtout derrière les cuisses, ça fait très très mal. Alors, je vais vous montrer. Voilà, anti-crampe. On fait comme ça. Voilà. Normalement, on devait prendre et tirer, mais j'arrive même pas pour l'instant. Alors, on fait pour l'instant ça, simplement, voilà, pour que ça tire derrière. Vous voyez, ça tire. Voilà. Et avec l'autre. Voilà. Pour faire travailler tous les jours quelques minutes, et ça, le muscle il va prendre habitude, et on aura moins de chances d'avoir une crampe. Alors bien sûr, après on s'occupe des abdominaux déjà, ça nous inquiète toujours parce qu'on veut avoir une taille mannequin, donc c'est plus que important, et plus le petit estomac que ça part, donc le petit ventre. Et alors ça, avec le inspirer, expirer. Voilà. D'abord, on inspire et on gonfle le ventre. Et on expire en tirant. Vous voyez, tirez très fort. Inspirez. Expirez. Très loin, plus loin possible. Vous voyez, normalement ça creuse. Mais après aussi pour faire travailler, voilà, on ne s'occupe pas de respiration. Et puis après, bien sûr, l'abdominal. Il y a des tas d'exercices. On peut regarder déjà sur les vidéos. Voilà, on peut faire ça 2 fois. 2 fois. Voilà. Plus loin possible. Plus loin possible. Après aussi, toujours pareil, on peut faire ça, par exemple. Voilà, ça fait bouger. Ou voilà. Alors pour le dos, déjà, voilà, dérouiller déjà et après tirer. Voilà. Et après on peut aller avec la manche à balai. Voilà. Toujours pareil. 1, 2, minot, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, aujourd'hui il fait froid, les chats ils sont bien au chaud, pas de chat dans l'horizon. Alors bon, après on s'occupe de fessiers, voilà, les 6 kilos, allons-y. On va faire le squat avec le poids de 6 kilos. Ça va donner plus vite les résultats que sans le poids. Bon, après, toujours pareil, anti-chauve-souris. Minou, non! À la lumière, j'ai toujours peur qu'il va me faire tomber. Voilà, anti-chauve-souris. Allez, on y va. Plus loin possible, plus haut possible, plus large possible. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Alors après, il y a un exercice complet pour les muscles, pour renforcer nos muscles, ça s'appelle le burpee. Deux méthodes, méthode facile, méthode difficile. Commençons par les faciles. Donc voilà, alors, on revient et on revient. Bon, ça c'est jeu d'enfant, n'est-ce pas? Revient, 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 revient. Voilà. Maintenant le plus difficile, allons-y. On saute et on saute. On saute, on saute, on saute. Bon, c'est pas du tout gracieux, mais ça va venir. Et puis, bon, ben, tous les jours, ce qu'on pense qu'il est urgent, par exemple pour le cou, lorsqu'on a le cou raide, alors on essaye de faire le vite, on fait des petits massages derrière l'oreille, voilà. Et puis toutes sortes de petits exercices, déjà pour les yeux, pour faire le fameux méthode batte, vite, voilà. Après dérouler, voilà, les doigts. Ça c'est des tout petits exercices tous les matins, juste pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire dans la journée et pour rester en bonne santé. Et comme je dis toujours, il faut bien sûr ajouter quelques kilomètres de plus. Et donc, les musculations, voilà, ça, tout le monde le sait, donc voilà, 3 kilos, 3 kilos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et un petit chauve-souris, 1 kilo, 1 kilo. Voilà. On fait ça au moins 10 fois, derrière, ensuite devant, et ensuite là. On peut faire ça avec une bouteille d'eau, bien sûr, mais celui-là, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et puis, à la fin, sauter à la corde, peut-être. Mais comme je dis toujours, si on a une descente d'organes, il vaut mieux éviter. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très prudent. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. C'est bon. Alors maintenant, on va mettre la marche. Voilà. Là, on peut marcher, ça y est. Et on fait des pas. Voilà, on marche. Là, on termine en beauté. On peut même sauter. petit peu d'eau là-haut. Oh, ça commence à chauffer. Ça y est. Je crois qu'on a assez mangé. Et voilà, avec ça, on a fait plein d'énergie et plein de joie de vivre. On est indestructible aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.